dire un maximum et préparer le match de Morcourt au mieux. Sachant que Morcourt, on avait une petite... ça fait quelques années qu'on se suit maintenant. L'année dernière, c'était pas dans notre poule, mais il y a deux ans, ils étaient dans notre championnat. Je vous envoie la pénalité. Un arrêt de jeu, peut-être maintenant, attention avec James, peut-être pour la balle de 2-0. James qui passe devant le goal. Il faut finir maintenant. Il faut finir maintenant. Et c'est ce qu'il fait. Là, on est en bas de l'appart, on va aller chez le président du club de l'Inter de Montréal, avec qui on organise le tournoi, et on va aller faire le tirage au sort. Des poules en fait. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo à vous pour la victoire. Malheureusement, on a perdu en finale. Bon, après, voilà, on a donné le maximum. Et ça va se passer cette année, mais peut-être une autre édition, pourquoi pas. Allez, en place. Moi, j'ai juste un truc à dire. Le début de ce match est à l'image de notre entraînement de jeudi. On arrive avec 27 minutes de retard. On n'est pas pressé quand on arrive. Donc, c'est à l'image du comportement de jeudi pour certains. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même lot. J'aimerais avoir une réaction quand même sur le terrain, donc je ne vais pas rester négatif. Je sais que vous avez tendance à être dans la réaction. Il y a eu des changements qui ont été faits, Shams aurait dû être là, sur le terrain titulaire. Le changement a été fait. Réagissez. On peut se mettre bien dans un confort. Tout le travail que vous avez effectué depuis un mois et demi peut être là tout de suite récompensé. Si on bat Andrézy, derrière, on se déplace à Épône dans deux semaines et on se déplace chez les deux prétendants au titre, Houille et Vilaine-Orgeval, chez eux. Des gros matchs, des beaux matchs à jouer. On peut arriver avec un certain confort et une certaine confiance. Cette confiance, vous avez tout fait pour en arriver là. Vous avez tout fait pour l'avoir. Et vous êtes en train, tout doucement, de vous mettre des bâtons dans les roues pour certains. Parce que quand on pense que c'est que quelques joueurs, ouais, mais vous êtes un collectif. Donc ça impacte tout le monde. C'est tout. Maintenant, j'ai confiance en vous et je sais très bien que vous allez réagir sur le terrain parce que c'est là où vous vous exprimez le mieux. Mais en termes de match que vous faites depuis 3 semaines, c'est exactement ça qu'il nous faut. C'est exactement ça. Par contre, ce que je veux, c'est que de faire attention de ne pas prendre la confiance bêtement, comme vous avez fait la semaine dernière, où on se prend le deuxième but parce qu'il n'y a plus de milieu de terrain, il y a la défense et tout le monde en attaque parce que c'est trop facile. Mais attention, encore une fois, on est un collectif. Donc que ce soit en attaque ou en défense, on le fait tous ensemble. Chacun a son rôle, chacun a son poste. Respectez-le, s'il vous plaît. Que ce soit bien clair. S'il faut en mettre 10, on en met 10. Allez, c'est parti. Go. Go, 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 go. J'ai retrouvé de ce match d'être dans le même prolongement que les matchs précédents, c'est-à-dire même entame de match, même combativité, même solidarité sur le terrain. Et surtout, l'efficacité devant. Chris est le meilleur buteur de la saison dernière. Son début de saison, il est difficile cette année. Après, je le mets titulaire d'une parce qu'il connaît déjà cette équipe. Il a déjà joué contre eux et que c'est un revanchard. Donc je sais très bien qu'il l'avait un peu mauvaise de ne pas jouer beaucoup. Je sais très bien que si je le mets sur le terrain, il va redoubler d'efforts. Suite blanc tout de suite. C'est le gardien de l'Unique FC, c'est Herman qui a la balle. On attaque avec Porte de servir Chris qui part sur la gauche, Chris qui part peut-être de la surface de réparation. Oula, Yacine là, c'est très haut d'avoir Andrézy avec la création d'Antonvilla. Il a poussé un peu trop le bout de la Villa. Blondy, quel arrêt du gardien qui est sorti dans les pieds. 1 minute 16, il joue en D4. Il ne reste pas en compétition officielle. Ah, Yacine. En tout cas, merci beaucoup les gars pour l'épisode sur le chat, y'a pas de soucis les gars. Non, allez, Herman, attention Herman, parce que je sais qu'il va faire des crochets. Eh, voilà. Hey, Kalamba. Mais non.
Attention, numéro 9, ouais, bien prise, fait toujours le ballon, la réponse c'est non. Attention, ah, je laisse passer, putain, il y a un Et là on a déjà fait 3 matchs, c'est 2 matchs sans but avec un match, un seul but. Bah, 3 matchs sans rien. Donc c'est la défense, on s'est beaucoup amélioré. Remets-lui. Ah, là, il est en train de s'en envoyer peut-être. Ouais, peut-être qu'il va la jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tente sa chance. Il a passé ouvert le pied, mais c'était très bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, il va pouvoir le pied. Le gardien est chaud. Tu fais FETI. Je sais pas ce qu'il a le gardien, mais il est en train de faire. Oh, splendide. L'action incroyable. C'est Zidane. C'est Zidane. C'est pas possible. Il est déjà venu. Malheureusement avec les câbles, je pense pas qu'on voit très bien. En fait, il a fait tout son verrou, il s'est enlevé externe, il a enchaîné demi-volée. Allez, maintenant, remarquez. Il va finir. Non, il tire à côté. Oh les potards. Mais j'en reviens pas. C'est une blague, ils sont tous à l'arrêt, ils sont cramés derrière, on va pas marquer là. Là, les événements s'accélèrent. Attention. Et le bras, monsieur l'arbitre au départ. Le numéro 11, le numéro 11, qui a monté le ballon, il l'avait. Oh, Camille. Sauvé par Camille. Non. Oh, c'est mal, Dieu. Ça, il s'est cher. Attends. Oh, il y a moins d'attentat, mais c'est bon. Non, c'est pas mal. Il y a un bon ballon pour le 10, c'est pas mal. Il va tenter de jouer en retrait pour ma Ça joue encore! Mais non! Putain, l'extérieur de pied tout le temps là! Allez, peut-être redescendre les chaussettes, redescendez au calme un peu là. J'ai pas du tout envie d'être tendre avec vous là. Parce que je trouve ça lamentable de pas avoir marqué au moins un but ou deux là ici depuis le début. Et c'est très clairement l'état d'esprit qu'on a depuis 2 ans. On est incapable d'éteindre les gens. On est solide derrière. Au mitard, Camille, Mas et Fetti, ils nous font un match. Et nous, devant, on n'est pas capable d'être juste. Oui, il y a des ballons. Les erreurs, ça arrive. Mais faire les bons choix à un moment donné, ça, c'est de votre faute. Je vous ai jamais, en 3 ans, jamais pris la tête sur la finition devant le but et j'ai jamais été aussi dur que maintenant. Parce que là, c'est du foutage de gueule. Le gardien, il est bon. Oui, il est bon. Mais on lui rend quand même la tâche facile. On arrive devant le but, vous faites tout le taf. On remet les schémas en place, on est tout content. On se lève, on se dit ça va être consécration. On le met pas. Parce qu'on n'a pas envie. Vu qu'on se retrouve tout le temps dans cette surface, très facilement, parce qu'on a des bons joueurs, et bien quand on arrive devant le but, on n'a pas cette dalle d'y aller. On se dit, de toute façon, on va y revenir. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'on se dit. Mais on arrive devant et on n'a pas cette mentale de tuer les matchs. Et quand on aura franchi ce gap que Paris 15 vous a montré avec excellence en Coupe de France, vous verrez, on sera vraiment une équipe encore meilleure. 2 choses. J'arrête pas de vous le dire. Et quand on fera ça, vous verrez que justement ce qu'il dit tout à l'heure, eh ben on passera un gap, encore une fois. Action individuelle, action collective. À chaque fois, le problème, c'est qu'on veut faire la plus belle action individuelle à la place de la plus belle action collective. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on mettra 4-5 buts au bout de 20 minutes. Parce qu'au milieu de terrain, c'est ce qui se passe. Là, au milieu de terrain, c'est ce qui se passe. Devant, c'est ça. Oui, on a des grosses qualités individuelles. C'est vrai ? C'est vrai. Mais mettez-les au profit de l'effectif et du collectif. S'il vous plaît. Encore une fois, on va prendre Paris 15, parce que c'est le meilleur exemple. Paris 15, on a pris une branlée. Phénoménal. Est-ce que vous avez vu un mec de Paris 15 prendre la balle, dribbler toute l'équipe et aller au but ? Non, je crois pas. À chaque fois, c'est des joueurs de grosse qualité
Et ils touchaient tous la balle avant d'aller marquer. Tous. Par contre, dès qu'ils prenaient la balle, ils regardaient s'il n'y avait pas un copain disponible. Là, c'est bien. Vous jouez avec vos qualités, vous reposez dessus, parce que c'est facile. Mais pourquoi justement on ne profite pas de cette saison-là? Pour justement aller à un niveau plus haut encore, profiter de ça et écraser tout le monde. 6-7-0 si on peut. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on se repose sur nos lauriers tranquillement en disant « Allez, c'est la D3, on n'est pas mauvais, on marche un peu sur tout le monde depuis le début, on met 3-4 buts, allez, on stagne. » Pourquoi? Pourquoi? On peut aller plus loin, plus vite, faites-le. Là, si je vous dis qu'on va aller plus loin, plus vite, on va pas brûler les étapes. Justement, c'est des étapes qu'on devrait déjà avoir. Alors montrez-nous sur le terrain, en deuxième mi-temps, s'il vous plaît. Et la semaine prochaine, à l'entraînement, que vous avez envie d'aller plus loin avec ce groupe, s'il vous plaît. Et là, quand vous allez rentrer sur le terrain, aucune pitié. Ok, messieurs? Allez, c'est parti. Allez, go. Allez. C'est un match qu'on doit gagner. Mais je pense que c'est le genre de points qu'on peut regretter à la fin du championnat, ouais, ça c'est clair. Parce que là, ça fait 0-0 chez eux, alors que ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, je vous le dis. Hein. GK, viens vite. Apparemment, c'est comme très souvent on a l'habitude, hein, c'est un supporter qui insulte un de nos joueurs. Et que du coup, il répond à ce jeune pas forcément de la bonne manière. Je dis pas qu'il l'a insulté ou quoi que ce soit, je dis qu'il répond déjà, c'est pas forcément bon. Et les joueurs lui ont sauté dessus, ils l'ont suivi jusque dans nos vestiaires. Et voilà, après du coup, nous on sort avec Romain pour justement protéger Emir quand même. On est une équipe. Donc c'est la moindre des choses. Et après, voilà, après je peux polémiquer là-dessus, mais ça n'a rien à faire dans le foot. Que ce soit en district, que ce soit dans n'importe quel championnat, c'est moche. C'est prêt à jouer en match de Ligue des Champions amateur, hein ? Incroyable ça quand même. Moi je vais essayer de gratter 30 secondes. Juste 30 secondes comme ça sur la ligne, sur le CV. Écoute, on verra. J'espère qu'on va gagner. Le temps est beau en tout cas ici. Ça fait plaisir. Du coup là on a atterri à Cracovie. C'est pas la capitale. J'avais un doute avec Varsovie, Cracovie, mais c'est bien Varsovie, donc on n'est pas la capitale, mais c'est une ville qui est à peu près grand. Mais attends, mais ils ont pris un plateau repas. Ils ont pris un plateau repas, mais on va y aller là. Ouais mais moi j'ai le temps de manger la petite tarte. Ouais, mais ça se trouve le bus il arrive en 2 minutes ou 1 minute. Bah vraiment dépêchez-vous parce qu'il m'a dit de vous regrouper. Du coup la ville elle est à peu près grosse comme Marseille pour mise en contexte, 800 000 habitants je crois.
On va jouer ce soir à 20h15 ici contre l'équipe de Dragons FC. Et voilà, ça fait plaisir, je suis jamais allé en Pologne. Ils sont super gentils en tout cas au niveau de l'accueil. On va prendre un bus, on va à l'hôtel, on dépose nos affaires et après vers 18h on bouge pour Stade. On est parti faire un match contre une équipe polonaise pour la Ligue des Champions amateurs. Et on a fait un petit voyage et on est parti pour gagner. Hein. On ne connaissait pas forcément le niveau, mais c'est pas pour autant qu'on y va pour faire que de la figuration ou quoi. Donc on est allé dans l'optique de gagner et qu'on allait gagner. Donc voilà. On a trois chambres, une de 8, 6 personnes, 8 personnes, 4 personnes. Pas le droit de boire de l'alcool ni de fumer dans l'auberge de jeunesse. Et voilà, je crois que c'est tout. On est en Pologne. Moi j'attends juste les spécialités. J'ai la dalle là, moi je veux juste manger des spécialités polonaises. Moi je suis là pour ça. C'est quoi les spécialités polonaises? Bonne question. Demande à Ibé, il va te répondre. Mais j'ai dit c'est des pâtes et du poisson, personne ne me croit. Des pâtes et du poisson. Pâtes et du poisson. Du sucré avec des pains. Là il est quelle heure? Il est 17h21, donc je joue à 20h15, c'est ça? On a encore un peu de temps, là on va manger. Et après, je pense que dès qu'on va aller dans le bus pour aller au stade, là, on va être focus sur le terrain. Focus sur l'objectif, gagner le premier match. Le terrain, il aime trop envie. C'est qui le capitaine ce soir du coup? Ah, c'est qui le capitaine? Je sais pas. C'est les coachs? Ah, bah c'est ceux qui vont choisir parce qu'ils vont donner une brassard, on va appeler la responsabilité. Moi je dirais Mathias quand même. Mais Mathias ça reste quand même une valeur sûre, donc je sais pas. Le capitaine. Non, je pense qu'ils vont donner à Mathias. Je vais commencer par ça. Il y a que 5 remplacements. Une fois que vous êtes sorti, vous pouvez plus re-rentrer. Ok? Sachez que tout le monde va profiter de ce match, qu'on soit bien clair. D'accord? C'est pas un match comme les autres, c'est un match où tout le monde a le droit de jouer et tout le monde va jouer. Par contre, quand vous sortez, encore une fois, c'est pas personnel, c'est pour faire jouer tout le monde, d'accord? Féti, comme d'habitude, entre les deux, s'il faut, tu me fais, je veux voir exactement le même match que dimanche. Vraiment, ok? Et c'est valable pour tous ceux qui ont joué dimanche. Parce que la première mi-temps, elle était, comme je disais tout à l'heure Nathan, presque parfaite. Elle aurait pu être parfaite si on avait mis les 5 ou 6 occasions qu'on avait en première mi-temps. Elle aurait été parfaite. Bah, le Phoenix Trophy, c'est franchement une aventure incroyable. J'attends beaucoup de choses parce que bah forcément, on a envie de gagner des matchs, on a envie d'aller le plus loin possible parce que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Donc juste, ouais, je suis trop content d'être là avec vous tous, sachez-le. Je repense à 2017 quand j'ai eu l'idée du club et là, on est en Pologne, je ne me rends pas trop compte encore. Donc ouais, vraiment, prenez du plaisir parce que j'ai pas envie qu'on rentre avec une certaine frustration ou quoi. Je veux vraiment que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tous les joueurs, les remplaçants, le gardien aussi, tout le monde s'amuse et prend du plaisir parce que c'est très rare dans une vie de pouvoir faire ça. Après, on peut en jouer 3 millions, des matchs comme ça à l'étranger. Donc ouais, amusez-vous et moi en tout cas, le premier, c'est que je vais vraiment essayer de m'amuser au maximum dans ce match. Et voilà, tout simplement. Allez les gars, let's go. Hey! What?
par terre, mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Merde. Ça jouait bien, franchement, ça jouait bien, on s'attendait pas à ça. Enfin, ça jouait bien techniquement, tactiquement, c'était en place. Et ça se voyait qu'ils étaient là pour gagner. Les gars, quand on a le ballon devant, c'est à nous d'imposer notre rythme. C'est pas à eux, avec le pressing, de nous faire faire la passe tout de suite. Non. Non, imposez votre rythme. Et encore une fois, je sais que c'est pas simple. Mais à chaque fois qu'on frappe, on tire sur le gardien. Les gars, moi, je veux bien. Eh, le but, il est grand. Frapper là où il y a de l'espace, frapper les petits filets au sol. La balle, elle fuse. La balle, elle fuse. Frapper au sol. Regardez la frustration du week-end dernier, c'est aussi dû à ça. Hein. On perd vite nos moyens. Là, c'est la même chose. Prenez le temps. On a 45 minutes. 45 minutes pour mettre un pion. Il faut prendre le temps. À un moment donné, Mas, il a levé les bras, il a dit « Oh les gars, calmez-vous, ça fait 3 ballons de suite par-dessus la tête de tout le monde. » Ça faisait 17 minutes qu'on jouait. C'est parce qu'on ressent très vite ce besoin d'aller marquer. C'est bien. C'est le but du foot. Par contre, restez concentrés et répétez ce qu'on sait faire. Zen. Zen. Soyez patient. Vous avez les qualités. Vous avez tout pour y arriver. Allez, allez les gars, allez. Allez, 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 allez les gars, il y a la place, il y a la place. Allez, viens, allez, allez, allez. Allez, viens, c'est trop bien. Bon alors, ça, c'est bien. Oh!
La tête. Oui monsieur. Putain. Ya. Avec la dalle. Ya maman. On aura pas marqué mais bon. Bien joué gros match, bien joué. Qu'est-ce que j'avais dit? Une, pas deux, pas trois, voilà, une seule tu une m'as dit. Une seule. Et celle qui nous fait gagner. Cet amour qu'on a pour toi, il ne cessera jamais. Avec la danse, de l'air de combat, on va se casser, on va se casser la voix. Je pense que c'est au-dessus de la montée. Il y a deux ans contre Morcourt, il me semble. Je pense que l'émotion, elle est même un peu plus forte. Parce qu'on est loin, on est en Pologne, et que vraiment, même l'équipe adverse, je pense, les Dragoons de Cracovie, je pense qu'ils se voyaient gagner. Et après ce deuxième but, ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. C'est incroyable. C'est la première fois que j'avais autant le seum de prendre un but dans un match. Et j'avais raté une grosse occasion juste avant. Donc je m'en voulais, je me disais, putain, c'est de ma faute. Si jamais j'avais marqué, le match aurait été différent. Après le but de Mathias, je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'étais fatigué. Mais à ce moment-là, c'est comme si je venais de commencer le match. C'est-à-dire que j'avais
aucune fatigue. Et j'étais très content parce que c'était un but compliqué à mettre en soi. Les plus faciles, je les rate, mais les plus compliqués, je les mets toujours, je sais pas pourquoi. Faudrait que je change ça d'ailleurs. Mais ouais, là, c'était instinctif quand le ballon il est venu. Toutes les occasions sont revenues dans ma tête, ça veut dire là j'ai vu, j'ai mon petit extérieur du pied et c'est passé, on a gagné. Hein. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's